Aujourd'hui, on va réaliser une pizza vegan très très saine et très très simple. Voici les ingrédients que j'utilise. D'abord, une préparation à pizza. Ensuite, des brocolis, de la roquette, du chou rouge, de l'épinard, de l'huile d'olive, de la crème de soja, du basilic, du fromage vegan, des noix et des graines de courge. D'abord, on va venir verser la préparation de la pâte à pizza dans un saladier. On creuse un puits, on y ajoute un verre d'eau tiède, ainsi que 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour donner ce côté vert à la pizza, j'ai rajouté quelques feuilles d'épinards surgelées. Comme base pour ma pizza, j'ai choisi de faire une sauce basilic, avec du basilic, du lait soja et de l'huile d'olive. D'abord, on va récolter les feuilles de basilic. Puis on vient réunir tous les ingrédients ensemble afin de les mixer. Alors voilà le résultat, on obtient un peu une forme de sauce en fait, plus qu'une base. Puis maintenant, on peut étaler notre pâte à pizza. Pour cela, je viens fariner mon support pour y déposer ma pâte. Alors, ça va prendre un peu de temps, mais il faut l'étaler pour qu'elle obtienne la taille que vous souhaitez. Il vous faut ensuite la transposer sur la plaque de cuisson. J'ajoute directement ma base, basilic. Comme pour une base tomate ou une base crème, on l'étale partout sur la pizza en évitant les bords. Puis je vais venir ajouter les ingrédients un par un. Je rajoute aussi un petit peu d'herbe de Provence. Notre pizza est maintenant prête à être enfournée entre 15 et 20 minutes sur 180 degrés. Au sortir du four, je la laisse un petit peu refroidir et j'y ajoute quelques feuilles de roquette. Cette pizza est vraiment délicieuse, simple à faire, rapide à faire. Et bien sûr, vous la garnissez comme vous le souhaitez. Si vous n'aimez pas un des ingrédients, vous pouvez totalement le remplacer par ce que vous aimez. Si vous réalisez cette recette, n'hésitez surtout pas à la prendre en photo et à me l'envoyer sur Instagram, ça me ferait vraiment super plaisir. You're